Mettez cet exercice du bled. Sam, j'espère que t'es prêt pour le défi que je vais te proposer. Ah, il a dit quoi, frère? Ouais, il a dit un défi de fou. Je te jure, je peux plus. Ah ouais, bon, j'ai du mal à respirer. Bonjour la chaîne, c'est ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est un challenge. J'ai demandé à pas mal de youtubeurs de m'envoyer une vidéo avec un challenge de l'extrême. Moi, j'espère qu'ils m'ont envoyé un truc de fou, parce que là, je m'attends à du lourd normalement. Donc les youtubeurs en question: Code Familia, Requin, Adam le Rigolo, Crypto. Un grand merci à vous, vous avez joué le jeu, ça fait tartin plaise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas vu les vidéos encore, c'est pas ce qui va se passer. T'es au courant ou pas, le cousin? Non. T'es déter ou pas? Ah, je suis déter. C'est toi aussi, ah, gros. Je suis déter, Aka, comme d'hab, mais le problème, vas-y, c'est que je sais pas c'est quoi les vidéos. Il va encore me piéger, frère, ça va être des défis bizarres. T'inquiète, t'inquiète. Donc montre d'abord. Non, mais de toute façon, y'a pas le choix, t'es obligé de les faire, si, gros. Je les fais t'es pas. Déter. Mais si tu les fais pas, tu les fais. Et si je les fais pas, y'a quoi? Tu les fais, frère, si tu les fais, t'es obligé. Si tu le fais pas en commentaire, ils vont dire que t'es freiné. Je m'en fous. Non. Il est chaud, les gars, je le connais, je le connais, il va le faire. Mon estime est tranquille. Bon, combien de likes pour cette vidéo, le cousin? Combien de likes? Autant de vues. Tu vois, tu likes, c'est pas que tu likes, ça te coûte quoi de liker, frère? C'est gratos, frère. Like, mon pote. Tu likes, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et après, on est réparation, on a de l'argent, YouTube monnaie, et après, on peut s'acheter une Merco comme ça là-bas. Bon, l'équipe, abonnez-vous en masse à nos chaînes YouTube comme d'habitude. On le répète tout le temps, mais c'est très, très, très important. Le cous, il arrive à balle. C'est vrai ou pas? Ouais. Est-ce que t'arrives à j'arrive, quand, j'arrive comme ça. Un coup de pied dans la cloche, rajoute une cloche. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va vous mettre les vidéos, comme ça vous voyez le challenge avec nous. Tchou. Avant que la vidéo commence, elle est sponsorisée par Ablo. Donc c'est une application gratuite disponible sur iOS et Android. Franchement, elle est terrible. C'est l'appli de l'année 2020. T'es obligé de la télécharger. Donc c'est simple, ça permet de parler avec des personnes à l'international, soit par chat, soit par visu. Ça veut dire que t'es là avec ton téléphone. Tu rigoles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonction automatique de traduction, ce qui permet de parler avec tout le monde. Les gens de Turquie, d'Algérie, tu connais, Amérique, Corée du Sud, tous les pays. Donc tu arrives sur l'application, tu mets ton adresse mail, normal, hein, comme d'hab, de toute façon. Ça te met une destination au pif. T'es là, tu cliques, ça t'envole de l'autre côté. Franchement, ça tue pour moi, rien à dire, l'équipe. J'utilise quand je prends le train, quand je zone, puis là, je parle. Ça me permet quoi? De 1, améliorer ma langue. Parce que t'es pas obligé de parler en français, si tu veux, tu parles en anglais, comme ça tu t'améliores. Mais aussi de faire des nouvelles rencontres. Imagine un jour, tu décides d'aller en Amérique. Tu parles avec un gars, tu sympathises et tout. Eh ben le jour où tu y vas, même pas besoin de prendre d'hôtel. Et puis ça devient ton collègue, c'est bon, frère. T'arrives, t'es là, tu visites, que ce soit au niveau culturel, musical, tout ce que tu veux, vos centres d'intérêt. Donc voilà, franchement, je vous mets tout en description. Allez-y, téléchargez à balle. Je vous laisse pour la vidéo, à tout de suite. Salam Sap, j'espère que tu vas bien. On est la Code Familia, Younes et moi, on a un gros défi à te proposer. Je te laisse faire. Alors les gens disent, ouais les youtubeurs, vous êtes des stars, vous avez tout ce que vous voulez, placement de produits, tout ça. Donc aujourd'hui on va tester ça avec Sab. Tu vas aller dans un tacos ou un grec, au moins 2-3 tacos, 2-3 grecs. Tu leur dis, je suis youtubeur, je fais des vidéos sur YouTube, j'aimerais bien tester votre restaurant. Est-ce que je pourrais avoir un menu gratuit pour tester le restaurant? Et là on va voir si les youtubeurs sont des stars ou pas. Ouais. Donc ton défi, c'est d'avoir un grec gratuit grâce à YouTube. Aïe aïe aïe, les gars, vous êtes des terres, frère. Quoi, un grec gratuit? Mais j'aime bien le genre de défi. Les gars, c'est la honte. Ouais, on est des youtubeurs, on veut un tacos gratuit. Salam alaikum, au revoir. T'as de l'argent, t'as pas d'argent, au revoir. Bon, les gars, écoutez, on se retrouve dans un resto, dans un snack là où ils vendent des grecs. On va filmer, hein. Bon, les gars, c'est simple. Là, on va demander directement avec la caméra, elle rentre dedans, à l'audace. Ça va pister comme net. Ils nous disent oui, tant mieux, ils nous disent non. On rentre chez nous manger des pâtes, frère. Bonjour, ça. Ça va, excuse-moi. Ouais. Parce que là, on fait un défi pour YouTube, hein. Tu peux dire non comme tu veux. C'est des youtubeurs, ils nous ont demandé. On nous a dit, vu qu'on est des youtubeurs, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir un kebab gratuit? Si ça marche pas, ça. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est bon, alors Face, qu'est-ce que t'as à dire? Mais c'est validé, hein. On n'a pas besoin d'aller voir le snack. Mais je ne m'attendais pas, parce que... Moi aussi. À mon avis, on va partir sur celui-là, toi, savoyard, le coup. Ouais, il a l'air pas mal. Et hein. Moi, peut-être chèvre miel. Chèvre miel, pas mal. Ouais. Je pense qu'on va tester chèvre miel et savoyard. Tacos Avenue 84, ouais, on le met là. Ceux qui viennent à Avignon, qui passent dans le coin, Tacos Avenue. Avec plaisir. Bon, en attendant qu'ils nous servent les kebabs, on va regarder le prochain défi. Au moins, on est prêt pour après. Bon, on va passer au deuxième défi.
C'est bon, déterre ou quoi? Je suis rempli de neige. De toute façon, nous on s'y connaissait pour ça. On avait déjà fait une vidéo. La cote familiale, vous nous avez régalé. Là, on va passer au requin. Yo les abonnés à SAP, c'est le requin 92 avec vous. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais proposer tout simplement un défi au frérot SAP. Donc SAP, j'espère que t'es prêt pour le défi que je vais te proposer. Parce que franchement, il va être un peu dur. Mais voilà, il faut que ça soit dur pour qu'il y ait du challenge et tout. Donc là, SAP, c'est très simple. Je vais te proposer comme défi, tout simplement comme challenge, de manger un kebab en moins de 3 minutes. Donc tu peux choisir le kebab que tu veux, tortilla, pain normal, avec les compos que tu veux à l'intérieur. Donc voilà, il faut juste que tu termines un kebab en 3 minutes. Donc franchement, bonne chance à toi Sab. Et tu connais, moi je kiffe la bouffe. Donc c'est pour ça que je te donne un challenge de bouffe. Donc bonne chance mon frérot, et j'espère que tu réussiras. Ah, le requin, tu m'as tué. Ouais, ouais. Parlez entre vous ou quoi? Ils se connaissent. Ah, bande d'escrocs. Ah, un kebab en moins de 3 minutes. Comment tu fais frère? On mange celui qu'on a eu gratos. Bon, kebab en moins de 3 minutes. Ouais, oh les gars. Oh, il est déter lui. Oh, déjà... tu connais ses requins avec ses réactions? Tu connais ses réactions? Mais attends, ou pas? C'est pas le est-ce mec... que tu le connais? Est-ce que toutes ces vidéos c'était des dégustations? Ouais. Et que là, moment, il fait des dégustations et genre quand tu prends du Fanta, il fait des bruits de fou. Oui, oui, c'est ça. On va mettre un extrait de bruit de fou. Oh, t'as serré frère, ouais, t'es un fou, là je m'accueille de rire. Bon, on vient de recevoir les tacos, regardez-moi ça. Non mais c'est pas possible. Oh là là, en 3 minutes frère. Impossible de les manger en 3 minutes. Je sais même pas si t'as un croc en 3 minutes. Oh, regardez la masse musculaire, il est plus gros que mon bras. Tacos Avenue, faut venir manger ici. Ouais, venez là l'équipe parce que... Oh, regardez-moi ça, regarde comme ça coule. Et les boissons évidemment, vous connaissez. Tropico, Fanta. Go! Vas-y, ouais, je compte. Allez, allez! Ah, en fait, j'ai rien en fait. C'est quoi ça? Oh les gars, pour un croc, il a mis 30 secondes. Ouais, oublie pas, il y a 3 minutes. 3 minutes? Mais frère, il est chaud. Il donne, dans le croc crap, il y a 6 morceaux de viande. Allez, frère, dépêche. Ah bah je... Mais si tu peux, allez. Je peux pas, moi faut que tu avoues moi. Ah ouais? Ouais, j'ai pas de neige. Allez, 3 minutes, on est d'accord? Ouais, t'es comme ça. 3 minutes. Wow. Déjà il est gros, regarde-moi ça. Chèvre miel. Fais que la taille à ta tête. C'est bon? Fameux, mais 3 minutes, je crois que je vais pas réussir. Regarde comme c'est tanké. Frère, je peux pas. 3 minutes. Il reste 1 minute 50. Perdu, frère. 10, 9, 7. Perdu, frère. 5, 3, 2, 1. Ça rentre. Je réessayerai la prochaine fois. Non, les gars, il est chaud. Il est tanké, frère. Je peux pas. Il a fait de la muscu. Je te jure, je peux pas. On va regarder la vidéo. Qui c'est le prochain? J'espère que le troisième sera pas de la bouffe encore, parce que vous allez me dire, ouais, moi j'ai un giga tacos en moins d'une minute. Franchement, Boug, j'ai un gros défi pour toi. Est-ce que t'es capable de marcher comme la meuf dans l'exorciste, mais dehors, devant des gens? Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a dit quoi, frère? Ouais, il a dit un défi de fou. Oh, les gars, c'est chaud. Vous connaissez la pose de l'exorciste? Ce défi est assez perplexe et compliqué à réaliser. Les séquences qui vont suivre sont utilisées par des cascadeurs avec des. Ah, dame le rigolo, là, t'assures pas. Hein. Elle aurait pas pu demander un arbre droit? Ouais. La tête vers là-bas. Comme ça. Guettez cet exercice du bled AliExpress. Ah, excusez-moi. Ah, les gars, je peux pas, j'arrive pas. Oh, t'es claqué. Vas-y, fais-le. J'arrive pas à faire une roulade. Je pense que le challenge. La honte. Ah, la honte. Le défi n'est pas réussi. Il a fait l'exercice du bled. Ah, la honte. Bon, l'équipe, on se retrouve pour le dernier défi. Donc, c'est celui à crypto. En espérant que ça soit pas un défi un peu bizarre. Oh, faire l'exorciste en public, c'est la honte. Ah, je te jure frère, je le ferai pas deux fois. On regarde la dernière vidéo ou quoi, t'es chaud? Vas-y, chaud. Wesh les abonnés à SAP, donc c'est Crypto et Mini Crypto juste ici, la famille. Aujourd'hui, SAP nous a demandé de décider à sa place un challenge vraiment hard. Et pour ce challenge vraiment hard, qu'est-ce qu'on a décidé, Zinedine? Tu prends une barquette de 10 piments oiseaux et tu les bouffes tous en même temps. En gros, la famille, c'est simple, tu vas aller à Auchan, c'est vraiment simple. À Auchan, il y en a sûr et certain. Il y a des barquettes avec des piments oiseaux, c'est des piments tout rouges fluo. Ils sont vraiment petits. Et du coup, donc il y a des barquettes qui vendent par 15, un truc comme ça.
Tu prends la barquette et tu dois en manger 10 d'un coup. C'est pas d'affilée, c'est pas un par un, c'est 10 d'un coup la famille. Tu nous as fait vraiment galérer dans toutes tes vidéos. Là, c'est le moyen de nous venger, moi et mon petit frère. On va se venger salement. Du coup, tu vas manger 10 piments oiseaux d'un coup. Parle pas chinois, commence pas à dire ouais, j'ai pas trouvé la barquette et tout. Frère, tu manges, tu manges, frère. Voilà, si tu réussis ce challenge, t'es vraiment un monstre, frérot. Franchement, mange-les tous d'un coup. Je te dis la vérité, je sais pas si t'as le droit de prendre de l'eau ou pas. Franchement, c'est toi qui vois. Moi, je te conseille de pas prendre d'eau si t'es un vrai, vaillant. Si t'es pas un vaillant, tu peux prendre de l'eau, du lait, du pain de mie, etc., etc. En tout cas, si tu réussis ce challenge, t'es vraiment fort, frérot. Et puis, je vous dis ciao. C'était Zinedine juste ici. Crypto. Allez. J'ai décidé, je quitte la SAP famille. Oh, frère, c'est quoi des piments oiseaux? Je sais pas, le nom, ça se voit, tu t'envoles. Oiseau, tu t'envoles, frère, ça se voit. Bon, ben, gauche, on va acheter la boîte et on les dégomme à deux. Voilà, frère, on va manger. Ah, mais ça fait 5-5. On fait 5-5. Ouais, 5-5 piments oiseaux. J'ai pas envie de manger des piments. On a pas le choix, frère. Ouais, on a pas le choix. Mais c'est mieux ça que l'exercice, frère. Allez, c'est parti, l'équipe. On se retrouve dans Auchan. Bon, on peut voir, on est dans le rayon. Hein. Piment vert, voilà, les piments classiques. Ou alors les piments enchillés. Je sais pas c'est lesquels qui piquent le plus. Mais en ailleurs, on va partir sur ça. Moi, il y en a plein dedans. Comment ça? Piment chi? Mandi, c'est explosif. La explosif. Tête explosif. Piment enchillé. Là, là, entre parenthèses. Explosif. Puissance 10. Qui ça hôte? Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais? Parce que sinon, il y avait ça. Mais je pense que ça, on dirait des poivrons. Voilà, regardez-moi ça. Extra fort. Puissance 10. Wow. Il y a les ténèbres. Oh, il respire. Le... Wow. Pourquoi vous nous mettez des défis comme ça? Ok, on a dit extrême challenge. Mais pas challenge, tu meurs. Hey, il a déjà en plus on en mange 10. Non, c'est pas possible, les 10 c'est mort. 10 c'est mort, frère. Ah, mais non, mais c'était 10, c'est des petits longs. Je vais mettre les 3 en même temps, frère. Je m'en fous. Ok. Reste. Mâche. C'est pas mâché ça, mâche. Voilà, ah, avale. Oh, frère, avale. Ouais. Arrête. T'en as pris que deux. Arrête. Waouh! Donnez clé de la voiture! Là, je te jure, je peux plus! Ah ouais, fort alors! J'ai du mal à respirer! Allez! En puissance 10! Donne les clés de ta voiture, frère! Non! Viens, va prendre de l'eau, viens, je suis dans les clés! Allez, vas-y! Jure, frère, c'est des entiers puissance 10. Ah, à mon avis, il a dû tomber sur des. T'en as pris des gros, toi aussi. Allez. Bon, vas-y, je vais essayer d'en croquer encore une fois. Parce que moi, ça me pique, mais pas autant que toi, là. T'as voulu les avaler ou quoi? Mange bien. Va demander du pain, Je te jure, je peux plus. Ah. S'il te plaît, va demander du pain, s'il te plaît. C'est bon, coupez, là je peux plus moi aussi. On va aller chercher du pain. Frère, je suis mort. Toujours dans des galères les vidéos, hein. Et bien voilà, la vidéo est terminée, l'équipe. Franchement, c'était un délire, on a bien rigolé ou quoi, Face? C'était cool, on a des nouvelles expériences. On a appris que YouTube, ça pouvait apporter de bons trucs. Les piments, c'est qui nous l'a fait le défi des crypto. Piments? Crypto. Crypto, je vais te choper, toi. T'inquiète, frère, on va s'en occuper. Tu vas en bouffer, toi aussi, mon pote. Et toi, espèce de tapette, t'as pas fait l'exorciste. Oh, notez l'exorciste du bled, s'il vous plaît. C'est lui, les vrais mecs comme ça. C'est toi, tu sais tu pas le faire. Tu ne perceras pas en tant qu'acteur, c'est pas possible. Un maximum de likes pour une partie 2, on va dire 20 000, 30 000. Tous ceux qui regardent, mettez un like, même pas en demande de chiffres. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, très 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 important. Et mettez en commentaire les youtubeurs que vous aimeriez voir. Ah, c'est vrai. Au moins, je les contacte. Ce soit Prime. Et si ils répondent pas. Toi, t'aimerais bien qui comme youtubeur? Prime, j'aimerais bien. Gotaga. Gotaga, ouais, c'est vrai. Des. Il répondra jamais. Des youtubeurs. Et s'il répond pas, on va le chercher en live. On ira chercher. Ouais, donc voilà. On compte sur vous. À la prochaine. Franchement, c'était un délire. On a bien rigolé. C'était cool. La bise. Salam alaikum. Allez, peace!
Tout est en description pour Ablo l'équipe. Je compte sur vous. Peace.